Le rôle d'un footballeur, qui a priori n'est pas magistrat ou n'est pas juge d'instruction, peut-être c'est celui de partager l'émotion de la famille, ou encore une fois la famille, y compris du policier, et d'en tirer les conséquences. Là, le policier n'est ni décédé évidemment, ni même blessé. Oui, il l'est probablement psychologiquement. Vous estimez que c'est quasiment, on aurait dû avoir une pensée aussi pour le policier ? Madame, bon, excusez-moi, vous n'étiez pas. Quand vous avez un véhicule qui s'apprête à vous foncer dessus, à qui vous avez fait sommation de s'arrêter... On n'a pas vu la même vidéo, j'ai l'impression. Pardon ? On n'a pas dû voir la même vidéo. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que le moment où il tire, il n'est pas en train de... Mais madame, vous n'étiez pas sur place. Non, non, je n'y étais pas. De je dis juste que nous n'avons pas vu la même vidéo. Je vous dis encore une fois qu'il y a chaque année... Chaque jour dans notre pays, je précise pour un ceux refus qui nous d'obtempérer. Sur les images les que l'on voit sur BFM TV, les policiers sont sur le côté du véhicule. Il y a un refus d'obtempérer. Et le véhicule démarre. Il démarre. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis prudence. Le policier tire, son arme est pointée directement sur le conducteur.